Cette activité de Zumba, c'est en prélude à la célébration de la journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque mois, c'est-à-dire la journée de demain. Et cette activité, c'est pour rappeler l'importance du sport pour le bien-être de la santé de tous et inviter les femmes à mettre à pratique la santé. Le sport, à travers la danse, c'est beaucoup plus féminin. Les femmes devraient plus participer. On a passé le thème de la célébration qui sera développé demain à la conférence, c'est l'impact de la révolution numérique sur le développement. Donc le thème sera développé demain à la salle Golden Plaza. Madame Kayawa est venue, chef session administration générale à la République. Je représente la présidente du comité d'administration de la Union. Dans une ambiance bon enfant, on s'est bien amusé et je crois que nous sommes fin prêts pour la conférence de demain. Alors le thème de la conférence de demain, c'est l'impact de la révolution numérique sur le développement. Il s'agira pour nous de montrer un peu les opportunités liées au numérique sur le développement de la femme, le développement économique, social et autres, mais également le côté négatif de l'utilisation des réseaux sociaux parce que les femmes sont je vais dire, harcelées, stigmatisées en ligne et il va falloir vraiment que nous puissions sensibiliser nos femmes sur cet aspect-là. Alors nous constatons que beaucoup utilisent aujourd'hui les Android, les téléphones portables, mais elles ne l'utilisent pas à bon escient.
Et ça fait que bon nombre de femmes, surtout celles qui sont analphabètes, se font arnaquer sur les réseaux sociaux ou se font, je veux dire, violer en public, on viole leur intimité et autres. Et donc, demain, ça sera le moment d'éveiller un peu leur conscience sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Nous voyons des gens aujourd'hui qui sont sur WhatsApp, TikTok, Instagram et autres. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment contribuer au développement économique de nos activités? Il faudrait qu'on puisse utiliser ces réseaux-là pour pouvoir développer nos activités économiques. Voilà.